limite de l'arrêt de l'espace, de sorte là aussi à ne pas déranger l'autre couloir qui dessert des chambres. Monsieur Lacroix, c'est la première fois que vous travaillez pour un EHPAD. Pour un EHPAD, la première fois, mais j'étais donc à l'époque un peu à la croisée des chemins, parce que j'avais d'autres structures pour lesquelles je travaillais n'existaient plus, j'avais perdu mon nom, etc. C'est pas un problème, mais il y avait d'une part le bonheur de pouvoir me contacter à l'FN, et puis aussi quelque chose qui me trottait, comment est-ce que mon travail pouvait servir à plus de gens qu'à juste un petit cénacle. J'avais envie que, en tant que citoyen, on va dire, la question se résolve de cette manière-là. Donc vraiment, c'est arrivé, c'est béni, quoi. Ça a débuté par mon ami, donc, Jean-Marie, qui avait à l'époque encore une galerie à Hôtel-Art, avec plutôt des artistes qui travaillent autour de la bougie, de la tournée. Donc j'étais rencontré aussi autour de projets au Capitole d'Art. Il avait la charge de ce lieu qui appartenait, parce qu'il n'existe plus, je crois, à Nissen, à Coutil. Et on avait travaillé ensemble, et un jour il m'a dit, voilà, la fondation, etc., qu'est-ce que tu as envie. Et moi, franchement, là, j'ai, comme je disais tout à l'heure, trouvé une échappée belle. Je me suis dit, là, ça va être intéressant de se frotter à quelque chose, et de, enfin, je fais mon costume, je fais ma robe, on va parler. Moi, j'aime bien être un chaînon de la chaîne. Et surtout avec quelque chose qui nous attend tous un jour, c'est-à-dire la fin de vie, plus ou moins sereine. Bon, j'ai eu la chance, entre guillemets, mais bon, pas la chance, parce qu'on partit trop tôt, et j'ai pas eu à accompagner les parents de cette manière-là, par exemple, hein. Mais, j'ai plutôt accompagné des amis qui allaient voir une heure. Et voilà. Donc, c'est pas si facile que ça, hein. C'était pas, on voit un lieu qui est un peu répartitif aussi. Des gens qui sont en bon état, d'autres qui le sont moins installés aussi. Ce que j'ai aimé dans le projet tel qu'on l'a présenté, tel qu'il m'a dit dans la tête, c'était que c'est non seulement un lieu pour les résidents, mais pour leur famille aussi, et un lieu de la vie. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup aidé de penser à un lieu qui soit le prolongement de la ville de Vauvert. Pas simplement. Concrètement. Qu'est-ce que vous avez fait, la galerie, par exemple. Voilà, la galerie, c'est ça. Et puis, que ce soit un lieu agréable. Mais c'est que moi, petit garçon, on les aide pas, c'est pas vraiment. Peut-être que les enfants, ils n'ont pas de présence dimanche, ils adorent leur grand-mère, leur arrière-grand-mère. Non seulement là autour, ça peut être un jardin de la ville, mais venir à l'intérieur, et ma foi, on n'est pas dans une clinique, on n'est pas dans un hôpital, on n'est pas dans un hôpital. Après, il y avait, alors on a peut-être pas encore abandonné, mais le projet d'avoir un geste peut-être un peu plus artistique, alors on avait en tête, on l'a toujours en tête, peut-être une fontaine de céramique, quelque part, un truc un peu plus monumental. Ce serait un point de la ville de Vauvert, qui serait un... Alors j'ai les possibilités de céramique.